à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour cette suite, pour la suite de notre carrière avec Lyon. On commence très bien la vidéo, c'est nickel. Je tiens à préciser qu'on va parler des commentaires de la dernière vidéo. On m'avait conseillé de passer Timmans en MC, c'est ce que je vais faire donc avant de lancer le match, pas tout de suite dans le compo. On m'a dit prends Gundogan en mettant Tillmans plus 10 millions, mais comme Tillmans coûte à peu près 34 millions, entre 34 et 50, je pense que Gundogan seulement avec Tillmans ça peut passer. Mais j'ai juste fait un test, hein. Je pense pas le vendre. Surtout qu'on a, je crois, Goretzka qui va arriver. Je crois qu'on a un joueur. On est en négociation avec. On est en négociation avec Thiago pour le faire venir dans le club. Avec Gundogan, Kovacic et Goretzka. Goretzka, c'est la solution la meilleure parce que c'est un jeune joueur et on va, je pense, faire progresser. Kovacic, je pense qu'ils vont nous jarter. Et Thiago, si on peut avoir Thiago, franchement, Thiago Alcantara au milieu de terrain, ça nous ferait complètement, je pense, gagner cette Ligue des Champions. Enfin, au niveau du milieu de terrain, on aurait un milieu de terrain de port, faut l'avouer. Donc, je tiens aussi à répondre à Gaëtan Prophète qui a dit que, en fait, j'avais traité Laurent Blanc de fiotte, alors que j'ai revu ma vidéo et je ne l'ai pas traité. Donc c'est soit tu inventes des insultes, et puis quand tu traites quelqu'un de fiotte en face à face, ça va. Mec, on est sur FIFA, je peux traiter les gens de ce que je veux, ils s'en battent les couilles, ils verront jamais ça. De toute façon, Laurent Blanc, je le respecte pour ce qu'il a fait en équipe de France et pour ce qu'il fait en grand entraîneur. Tu m'as aussi dit, alors je vais reprendre le commentaire, fiotte de Laurent Blanc, tu devrais plutôt te la fermer, t'es pas sérieux, il fait un meilleur boulot que toi. Donc Laurent Blanc est youtubeur maintenant. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça, sur ce que tu m'as dit, je prends pas ça méchamment, mais il y a une différence entre entraîneur de la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement, hein, il faut l'avouer, ils sont premiers de Ligue 1, donc on peut dire que c'est la meilleure, et youtubeur. Je suis juste un petit youtubeur qui fait des vidéos sur des jeux vidéo. Je ne gagne pas un salaire. Lui, il gagne beaucoup plus d'argent que moi. Et c'est sûr qu'il est le coach de la plus grande équipe de Ligue 1. Actuellement. Donc voilà, je sais pas. Réfléchis un peu avant de poster un commentaire. En tout cas, on va revenir sur cette carrière. Dans le dernier épisode, on avait battu Lorient 3-2. Ouais, un match assez serré. On avait battu Caen 3-1. Ça, c'était mieux. On avait battu Nantes 3-1 aussi, mais on avait perdu, ouais, on avait perdu face au PSG, je m'en rappelle. Oui, le milieu rincé m'a fait très mal, je sais, merci. Rabiot, Stambouli, j'ai lancé des piques à Rabiot, il a marqué un but en Ligue des Champions. J'aurais dû fermer ma gueule, voilà, faut le dire. Je clash Rabiot, mais ce con, il met un but en Ligue des Champions. Rabiot, je te respecte, je dis plus rien sur toi, promis. Donc dans cette vidéo, on va affronter donc Bastia en qualification de Coupe de France en Corse. On va retaper Nantes. On va taper Sochaux, putain, 3 déplacements extérieurs, ok. Et on va accueillir l'Olympique de Marseille à domicile. Donc là, on va faire jouer l'équipe B, A, B. Non, pas du tout, ouais, on fera jouer les équipes qu'on veut. On s'en bat les couilles. Voilà. Alors, ta-ta-ta-ta-ta... Ah oui, l'équipe B. Voilà, l'équipe B. Allez, tac. On joue en rouge, tiens. Le sang. Lissandro, Ezequiel, Junior, Juste, Kovalenko, Amarté, Sanson, Meret, Grimaldo, Lindsay, Rose, Raphaël, Areola. Et sur le banc, on va mettre... on va pas mettre la Lacazette. On va le laisser se reposer tranquillement. On fera sûrement entrer Martial. Je pense que ça sera bon. En Corse, il neige. Tu te fous de ma gueule. Non, non. En Corse, il neige pas. Voilà, c'est parti. Donc, je vais vous parler peut-être d'un petit truc vite fait. Hein, parce que je parlais plus clairement dans une autre vidéo. Dans une vidéo annonce. Je suis en cours de changement de network. Je vais passer de Freedom à Watch Game Network, si tout se passe bien. C'est pour des raisons personnelles et des raisons, on va dire, avantages au niveau du montage. Tout ce qui est musique, copyright, tout ça. Je change principalement pour ça, mais j'expliquerai mieux dans une vidéo annonce où je ferai un truc commenté après. On m'a dit aussi à Aerola que personne n'y croit.
Hein. Personnellement, je l'ai testé sur fut. Il est plutôt chaud, tu vois. Donc je pense en carrière aussi, il devrait être chaud. Donc on va voir ce que ça fait. En tout cas, là, j'espère que la musique YouTube va pas la reconnaître derrière. Parce que j'écoute du Flor Laila, tu vois. My House. Hashtag WrestleMania. Hashtag musique de l'été. Tous les coups, ça va être ça. Même si c'est pas l'été. Ouais, je sais. On se concentre sur ce match. Sébastien, c'est la Coupe de France quand même. Oh là, la tête, pourquoi? On se prend un but assez bizarre. Faut l'avouer là. Areola pas bougé, je comprends, il était. Là, je vais pas critiquer parce que là, la tête, et derrière, Amarté qui se fait bouffer. Ouais, il est bloqué, il voit. Ouais. Là, tu sais pas où il va tirer, t'as un Gugus qui se met devant toi. T'as un Corse qui se met devant toi pour te cacher la vue. Normalement, c'est pas réglo ça, hein, c'est. Bah, quand même, hein! Quand même, tu siffles faute! Tu lui mets un petit carton? Non? Non, pas de carton pour lui. Alors, on va pas faire les fous. On va faire la technique du petit centre dans la surface. Par contre, il faudrait des joueurs grands parce que si tu mets Raphaël, non pas Raphaël, excuse-moi, Ezekiel au point de pénalty, le mec qui mesure 1m50, ça va être dur de prendre le ballon de la tête avec lui, hein. En tout cas, on voit clairement que ça fait tourner au milieu de terrain et derrière, hein, du côté de Bastia. Ils ont fait deux tirs, un but. Voilà. Moi, j'ai pas d'occasion, donc voilà, ils nous privent d'occasion, on peut rien faire. Ah, si on se fait sortir en coupe, ah, face à eux, si on les affronte en championnat, je mets toute ma haine contre eux. Hein. Laisse tomber. Déjà que les Corses, je les aime pas trop, tu vois. Tout seul, le mec, tout seul. C'est un truc de ouf, ouais, hein. Le mec, il a l'occasion d'y aller tout seul. De tenter une frappe, mais non, il fait une passe sur le côté pour tenter un centre. Sanson. Oh, c'est beau ça! Oh, c'est joli! Mais non! Martial, la frappe de Fiot que t'as mis! C'est une frappe de Fiot! Regarde-moi cette frappe de Fiot que tu fais! Aucune puissance, Martial! Aucune puissance, ce type! Martial, t'es passé. Martial, pied gauche. Martial! Voilà! Voilà, Martial! Il faut que je t'engueule pour que tu marques un but! Oui! Oui, Anthony! C'est Anthony, Martial. Oui, c'est Anthony. Le petit travail solitaire, là, après le pied gauche. Oh, elle est belle. Oh, voilà, égalisation. J'ai défoncé Raspantino. J'avais envie. Je veux juste revoir le tacle. Comment je l'ai défoncé. Ah putain, je me suis lâché. Je me suis lâché parce que les Corses, j'aime pas. Enfin, la mentalité des joueurs corses. Hein. Je parle pas de la. Enfin, peut-être même des Corses, des purs Corses. La tête, petit. Non! C'est quoi ce but? C'est quoi ce but, clairement? On n'a pas le droit de se prendre un but comme ça, mais. Déjà, regarde, le gros, elle a un triangle. Là, j'aurais dû appuyer sur carré au lieu de croix. Non, mais non. Oui! L'égalisation! J'ai fait un putain de tout droit. Je voulais pas montrer en entier, mais je l'ai fait. Je tiens à vous le dire, à hein, vous l'annoncer, parce que sinon, voilà. Hein. Non, non, mais là, j'avais la haine, les gars. J'avais la haine. Hein, de me prendre un but comme ça, c'est honteux. C'est une contre-attaque? Peut-être la dernière pour nous? Ah bah non. Hein. Quelle question, c'est l'arbitrage. L'arbitre nous donne une dernière occasion. Ouais, ça, foutons de ma gueule. Bon, l'OM s'est qualifié face à Montpellier. Nantes s'est qualifié face à Auxerre. Sochaux s'est qualifié. Tour, on va perdre. Et Guingamp, on sait pas. En prolongation, on est tir au but direct. Ah, c'est prolongation. Pouah, on va morfler là. Heureusement, j'ai fait rentrer que Martial. Hein. You suck. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc?
Mais je me prends de ses buts dans ce match, c'est hallucinant. Eh, on n'est pas dans... Regarde le machin quand même. Bam! C'est quoi ça? Mais d'où ils savent faire ça? Oh mais Bastia, mais c'est des vraies enflures, hein. Oh putain. On égalise, je sais pas comment, mais... Oh, la parade du gardien! Non, il n'a pas le droit. Putain, failli la mettre, c'était la dernière. On va aller au péno. On va aller à péno pour un match de qualification en Coupe de France. Faut le dire, les péno pour ce genre de match. Non. Non mais... Il y a quand même 73 de finition, Kovalenko, hein. Ah ouais. Bon, par contre, il y en a, ils ont vraiment les stats pétés en pénalty, hein. Ouais, on va laisser comme ça. Alphonse, rappelle-toi. Coupe du monde 2012, mon gars. En espoir, rappelle-toi ce moment-là, face à l'Uruguay. Слишком много. Même. Gauche, droite, gauche. Voilà, Alphonse! Comme en Coupe du monde! Voilà, désolé, petit. Ouais, je pense que je vous ferai passer des petits moments de cette Coupe du Monde qui était juste énorme. Alphonse, le deuxième Alphonse, tu le loupes pas, tu le loupes. Il le loupe, voilà! C'est ça le guerrier! Le tueur! Comme disait le commentateur de W9, le tueur! Oui! Voilà Alphonse, Alphonse, tu tiens. Raspantino! Peu! Raspantino! Dommage Alphonse, c'est dommage, contre-pied, c'est pas du tout, mais bon. C'est encore trop tendu. Seymour. Il le marque, tant mieux, il le loupe. On tente une humiliation extrême. Alphonse. Coupe du monde, 2012. 2012 Alphonse. 2012. 2012. 2012. Il tire à droite. Oh putain, il le met le con. Oh dommage. Junu. Junu. On l'attend, Junu. Et la petite Panenka! La petite Panenka, la Zizou! La Zizou! En hommage à Zizou! On l'a mis, la petite Panenka! Bon, j'avoue, c'est pas du tout la même Panenka, parce que lui, il fait la Panenka, genre, il partait à gauche après. On l'a fait à la Zizou. Alphonse qui nous sort la parade, et regarde-moi ça. Petite Panenka. Pour humilier cette équipe de Corse, on se qualifie pour la phase suivante de la Coupe. De France, petit accent de commentateur. Gagner au péno pour se qualifier en Coupe de France, faut le faire, hein. Putain. C'est la Coupe de France. 30 minutes en Coupe de France. Putain. Ça va durer combien de temps, le record? Koreska préfère... Culé, va. Merci, boss. De rien, Junu. Oh, quelle pression! Voilà, ma défense a tous un carton jaune. Tous mes défenseurs, ils ont un carton. On va faire un petit entraînement au KLM. On va entraîner un peu Anthony. En tête, par contre, tête est reprise cette fois. Areola, entraînement, mon pote, entraînement. Bah oui, entraînement. Là, c'est la séance pour Areola. Attends. T'es un peu entraîné, petit Alphonse. Il a un potentiel. Meret, on va encore l'entraîner en défense, comme d'hab. On va finir avec l'entraînement de Gonalon, tiens. On n'a pas encore beaucoup entraîné Gonalon. Même pas du tout, je crois. Peut-être l'entraîner en tir. Il a quoi en tir? Ah, il a tir de merde, laisse tomber. L'entraînement passe en profondeur, tiens. Allez, c'est parti, on se retrouve après les entraînements, les gars. On a fini tout ça, on s'est bien entraîné. Enfin, j'ai bien entraîné l'équipe. On a pu tester un peu Areola niveau relance. Ça va. Ça passe. Ça passe, ça passe. Bon, faut mettre une grosse puissance pour faire un gros dégagement, mais ça passe. Allez, on avance dans le truc. J'adore la vie. J'ai plus d'argent, quoi. C'est tout.
C'est tout, tu veux plus d'argent, Goretzka. Tu vas me le dire plus tôt. Pogba, Valence. Tiens, tu vois, ils ont accepté Dortmund. Mais ça me fait chier parce qu'il faut que je balance ce Tillmans. Bon, on va juste voir, attends. Si on met ça. Juste voir si ça passe, tu vois. Si ça passe pas, ben. On jarte, hein. Mais Thiago, on est toujours premier du championnat. Bon, on a qu'un point d'avance. Je vais juste voir petit Thiago. Ah, petit Thiago Alcantara. J'ai dû abandonner le truc. Thiago. On avait proposé 23 millions. Ouais. On a proposé une belle offre hein, quand même. Le salaire, il passerait pas, quoi. Il passerait pas le salaire. Le truc, tu vois, c'est qu'on n'a pas en fait de joueurs en trop. Faudrait jarter Licia, mais c'est Licia quoi, je peux pas le jarter. De toute façon, ça passerait pas le salaire. Ouais, ça passerait pas le Thiago. Bon, nous, en tout cas, on va se concentrer sur notre match face à Nantes. Face au FC Nantes. Bon, le FC Nantes, le match retour. Ah, il nous avait fait quand même plutôt mal au match aller, hein. Gaïa, Gonalon, Tolisso, Amarte, Tielemans. Allez, c'est parti pour le début de ce match. Encore à l'extérieur. Putain. Tolisso! Oh! Oh, la belle frappe. Oh, Yuri! Oh, c'était bon. En fait, je vais laisser en MOC. Parce que Yuri, des fois, il me fait de la merde, mais des fois, il fait de très très bons trucs. Stéphane, et le golasso, 1-0, 45e. La passe d'Alexandre Lacazette, la passe décisive. Là voilà, déjà le petit compte favorable pour Lacazette, ensuite la petite passe décisive et derrière Jovetic qui fait le petit placé, le petit plat du pied protecteur, petit pied droit et ouverture du score à la 45e minute juste avant la pause. 7e but en Ligue 1 pour Stéphane Jovetic. Voilà, mi-temps, on est bien, on est bien, on est bien, 1-0, on est plutôt bien, franchement, on est plutôt bien, on est à la mi-temps, on est bien, on est bien, on est bien, ici, on est bien, le mec qui pète complètement un câble. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas pris de centre-tête, hein, quand même, je te l'avouerai, ça fait un bail qu'on s'est pas pris de centre-tête. Ah mais fallait bien s'en prendre un quand même, un petit centre-tête quand même là. Là mais je comprends pas, c'est mes défenseurs ils sont bons quand même. C'est plus c'était Alex... Alejandro Bedoya, tu vois, c'est même pas le buteur qui marque. Really, Oh, nigga? Ryu! Oh la parade! C'est pas possible de sortir une parade pareille! J'abandonne, j'abandonne, j'abandonne FIFA, c'est pas possible de se prendre des buts comme ça. Les mecs, ils font tourner derrière. Non, 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 on peut pas se prendre des buts comme ça. Non, non. Putain, marqué comme ça, c'est moche. Oh! Ryu, mais il est trop chaud ce gardien, c'est hallucinant. Regarde, là, la vitesse de Lacazette, on l'a vu. Là, la frappe, normalement, ça passe, mais non, Ryu est là, quoi. On est obligé de marquer un but comme ça pour marquer quoi. Putain, faire match nul face à Nantes, mais j'y crois pas moi. J'y crois plus à ce jeu. J'y crois plus moi. Vous regardez-moi ça. J'y crois plus. Mais j'y crois plus. Clairement, j'y crois plus. L'homme du match, un Ryu. 10 arrêts, mais bien sûr. Voilà, Ryu. Ryu quoi. Mais j'y crois plus. Moi, j'y crois plus. Il n'y a plus aucune logique dans ce jeu. Il n'y a plus aucune logique. Il n'y a jamais eu de logique dans FIFA, mais. Tu fais de ses frappes, Ryu, il te sort des parades. Vital. Matia. Ouais, il est un peu pété. Hein.
Lisandro Lopez pour la Gantoise, 4 millions. La Gantoise, ils sont prêts à lâcher quand même 4 millions pour Lisandro, pour Licha. Licha, il part pour 8 millions minimum. Hein. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Hein. Mais c'est au moins 8 millions. Pouf, demande de fond. Allez, petit 10 millions quand même, allez le CA, vous êtes gentil normalement avec moi. Je suis gentil avec vous, vous êtes gentil avec moi. Caméréma qui veut partir. Vos performances dans le club, tu te fous de ma gueule. Ah non, mais on va faire forcing, hein. Enfin, vos performances dans le club sont pas ça, notre... On n'aime pas vos performances dans le club, mais ta gueule. Putain. Licha. Cagliari, non, il part pas en Italie. Surtout pas dans cette équipe, quoi. De 5 millions. Et moi, c'est le contrat qu'il veut pas accepter, en fait. C'est juste ça, hein. Encore une promotion pour Licha. Caen, bah Caen, c'est mort. Non, non. Si c'est pour aller à Caen, il reste à Lyon, hein. Il n'a accepté à 51 millions pour Thiago. Bon, on va te faire foutre. Ou pas autant. Ah, il veut pas me lâcher. Un misérable. Ils sont intéressés par le joueur, tu vois, mais 51 millions. Goretzka, c'est bien, mais j'aimerais un meilleur joueur en fait. On va continuer à faire forcing, hein. 6 millions, mais c'est rien pour eux, 6 millions, c'est rien. Qui on pourrait en milieu de terrain? On va tenter Anderson, tiens. Enfin, non, non, non. Vous savez quoi? Je vais faire une petite pause, enfin, une petite coupure, tu vois. Moi, je vais me chercher un milieu central. Qui peut. Un top, tu vois. Et on se trouve après. Voilà, donc on va avancer un peu. Voilà, donc j'ai repensé à faire. Hein. J'ai repensé à lui. Voilà, donc il nous donne quand même 6 millions. Ils sont gentils. Anderson, c'est trop. Nainggolan, c'est mort. Pjanic, c'est mort. Kovacic, non. On a le Roy Fer déjà. C'est vrai que j'avais déjà pensé à le Roy Fer. C'est vrai. J'avais pensé à le Roy Fer, mais je m'étais pas intéressé de plus, tu vois. Refaire au Goretzka. Donc là, c'est un peu plus chaud. J'ai les moyens de me prendre les deux en fait. Tu vois? C'est ça le souci. Faire au Goretzka. Goretzka, c'est le turfu, tu vois. On va déjà accepter faire. Et je peux? Non, non, en fait, je peux pas, non. Ouais, bon, Goretzka, on va le laisser. On va le laisser, tant pis. On va rejeter l'offre. Bon, le Roy Fer, voilà notre nouveau milieu central. Donc, ce qu'on va faire, c'est. Désolé, Marté, mais on va Djarté en remplacement. Comme le Roy Fer, il a une grosse. Bon, c'est que 70 de général, tu vois, c'est. Bon, faut l'avouer, c'est beaucoup moins qu'un Marté. Mais les stats, regarde-moi les stats de porc qu'il a. 82 en dribble, avec 14 étoiles. Et là, on peut faire un truc, c'est passer Tillman sur MOC et donc passer faire. Non, Tillman sur MC et passer faire en MOC. On va faire ça juste en test parce que. Voilà, on va tester comme ça. Ça peut être sympa, tu vois, ça peut vraiment être sympa. Et on va aussi changer un peu l'équipe B. Donc mettre faire un peu plus haut. Ouais, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Hop, on a fait notre petit mercato tranquillement, mais je pense que la saison prochaine, on s'achètera pour 14 millions. Ils nous disent quoi de plus?
Franchement, je pense que c'est un beau transfert, hein, Lloris Fer à Lyon. Je pense qu'en plus c'est réaliste. Monaco qui nous fait passer devant. Alors, on n'est pas content, hein. On n'est pas content du tout de ça. De se faire passer devant par Monaco. Yuri, 41 millions. Ça, c'est Flonox qui veut nous l'acheter, tu vois. Non, regarde. On a personne à vendre maintenant, nous. Là, pour aller en Suisse, c'est mort. Il va pas en Suisse. Un bon club, s'il te plaît. Respecte-le. Respecte Licha. Oh. Ben Yedder fait ses valises, tiens. Licha. Ah, le Betis, peut-être. En Espagne. Mais c'est. Allez, 9 millions parce que c'est les Espagnols, tu vois. 9 millions. Au calme. Franchement, 9 millions, c'est pas mal. Alors, par contre, respecte-le. Il va partir là-bas. Respecte un peu. Pour le prochain match. Ok, donc il veut jouer, pas de soucis. Là, par contre, il y a eu un truc qui est Ben Yedder, là. Je viens de voir. Ben Yedder fait ses valises. Il est parti à Aston Villa pour 13 millions. Ben moi, je veux bien un top buteur qui s'en va de Ligue 1. Bon, il y a Diabaté, Salah, Lopez qui a 7 buts, Jovetic 7 buts, Ezequiel 7 buts, Batshuayi a 6 buts. Il y a même pas. Tu vois, Marseille, je veux dire, Paris, ils sont pas. Junior qui a 5. Marseille. Pourquoi je dis Marseille? Paris, ils sont pas dans le top buteur et dans le top passeur, quoi. Paris, ils sombrent un peu en tant que. Ouais, je sais pas ce qu'ils. Ils sont pourtant 5e du championnat, mais ils doivent pas marquer beaucoup de buts, hein. Ah, ils ont marqué que 27 buts, hein, quand même. Ah ouais. Ils ont pas beaucoup marqué. Bon, nous, on s'en tape. Parce qu'avant de lancer le match, on va voir combien de jours on a de repos. On a 3 jours. Ouais, on a 4 jours. On fera tourner l'effectif, quoi. Voilà. On jouera un peu avec l'effectif. Comme ça, on peut tester faire, tu vois. On peut tester le roi. Oui, on fera tourner l'effectif. On sortira un des deux. Et on fera rentrer. Oui, on fera rentrer des gens. Le mec, je me moupe, on fera rentrer des gens. Voilà. On est bien comme ça. Sous la pluie, ben c'est pas grave, on prend le risque. Allez, oh putain, regardez Lloris Fer avec le maillot de Lyon. Bijou. Allez, c'est parti les gars pour le match. Sochaux. Troisième match à l'extérieur. Hein. C'est pas le dernier, parce que là on en a marre d'être extérieur tout le temps. On est à l'extérieur, mais on joue avec le maillot blanc, tu vois. Des fois ça arrive, mais c'est rare. Ça s'appelle la barre de fer. Lloris Fer, le premier but, la première occasion pour Lloris Fer, le golasso. Voilà. Lloris Fer, premier ballon touché, première frappe et le but. Petite passe de Lucadine, ensuite là, on va dire le petit déplacement, et bim! La frappe! On l'a bien fait de le recruter, Lloris Fer! Voilà! C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de contrôle, la case? Oh, la mi-temps qui est sifflée! Oh, la mi-temps la mi-temps d'escroc, si on veut, parce que là, le mec, je le fauche, il siffle la mi-temps. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Gentil de ta part. Oh le poteau, mais oui, j'ai parlé trop tôt. Je me tape le poteau. Et ensuite on marque, c'est Steven ou c'est Timmans. Non, je crois que c'est Timmans qui a marqué en renard. Là, la passe, le démarquage, l'appel de la casette. Et là, moi, je tape le poteau. Ouais, c'est Timmans qui marque le but. C'est Yuri. C'est Yuri qui marque enfin son premier but en Ligue 1. Mais pas encore marqué. Et le 3-0, Golassou, Golassou, Golassou d'Alexandre Lacazette. Là, le jeu en triangle était très très bien vu. Hein. On a fait un très très bon jeu en triangle, regarde-moi ça. Là, une, deux, le petit triangle. Et ensuite, le plat du pied, pied gauche. Ouais, 4 étoiles, on en profite. Hein. Le petit placé là, tranquillement. 3-0. Bon, on se prend un but, j'aurais bien aimé ne pas me prendre de but, mais on s'en prend quand même un. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. C'est l'Olympico.
Ok, on se prend 3-2 à la 83ème. 3ème. Bon, on va se calmer un peu, les gars. On n'a pas défendu. Bon, victoire au final 3-2 face à Sochaux. Bon, on s'est pris quand même deux buts qui nous ont fait un peu mal. Hein. Deux buts sur deux tirs cadrés. Bon, voilà. Enfin, qu'on n'a pas vraiment défendu à la fin. En tout cas, on finit sur une victoire. Donc, on a les 3 points. Monaco, ils n'ont pas joué encore. Paris qui a planté à 4-1 à Guingamp. Donc, là, ils sont en train de revenir niveau but. Je les ai provoqués et ça revient. On reprend cette première place avec un point devant Monaco qui a, on dirait, à jouer. Alors, ils ont sûrement eu un match en avance. On a des mails, on va regarder un peu tout ça. Conférence de presse, on s'en fout. Il ne vaut pas autant. Mais il va te faire enculer. Et le dernier match, il est content. Voilà. On va faire nos entraînements avant de lancer le match. Putain, un match de vidéo. On va tout d'abord commencer par entraîner Areola, encore et toujours. On va ensuite entraîner, si on peut, Digne. Si on peut le remonter encore un peu, tu vois. On va entraîner, tiens, le Royfer qui a une grosse marge de progression, lui aussi, on dirait. Conservation de balles. Ensuite, la casette. Ça sert pas beaucoup, mais ça peut servir quand même. Et on va finir avec Untiti dans les passes, peut-être. Ouais, dans les passes. Allez, c'est parti, les gars. On se trouve après les entraînements. Bon, on a fini ces entraînements enfin. Il y a un peu de mal, mais bon. Erola qui prend des points, c'est nickel. Tant que sa barre augmente. On va pouvoir aller tout de suite au match. Où c'est, on a la fin du mercato avant. Licha, non, pas au stade de Reims, s'il te plaît, respecte-le un peu. Quand même. Bon, on va voir la fin du mercato avant de passer sur au match sur l'Olympico. On peut voir que Hummels, meilleure offre, Morata qui est parti à Dortmund pour 39 millions et Weddle qui arrive à Monaco. Je pense que c'est un bon transfert pour Monaco, ça. Donc, Monaco qui a fait venir Weddle pour 23 millions. Saint-Etienne qui n'ont rien fait, c'est dommage pour eux. Figueirado qui arrive à Guingamp, 3 ils ont rien fait, Lorient ils ont rien fait. Metz qui ont fait partir Nbakoto gratuitement, enfin qui est parti gratuitement, fin de contrat je crois. Nantes ils ont rien fait, Sochaux qui ont eu l'arrivée de Figueroa, Aralo, ah oui donc il est arrivé là, qui est parti à Sochaux. Lille ont rien fait, attends, quelqu'un. Ouais Bordeaux, Mbou est arrivé. Montpellier ont rien fait. Nice, le départ pour 20 millions. Nounardi est parti gratuitement, mais on a eu Areola et Leroy Fer. Marseille qui ont rien fait. Paris qui ont eu le départ de Areola et l'arrivée de Nardi et de Batala. Bastia, Ivanov qui est parti gratuitement. Doucouré qui est arrivé gratuitement. Ngakoumbo et Doucouré sont gratuitement. Benida qui est parti pour 13 millions. Ok. D'accord. Ouais, quand même. Quand même. C'est pas mal, hein. Bon. Rapport mensuel, conférence de presse, on s'en tamponne. 104 millions, ouais. Donc, c'est quoi ça? Notre gardien. Moi, clairement, je le verrai parce que je m'en bats un peu les couilles de lui. Hein, je m'en bats un peu les couilles de sa gueule. Alors, on va juste mettre pas mal d'argent au niveau du salaire. Voilà. Que si on a besoin de faire des augmentations de contrat, on les fera. Donc on a combien de jours de repos? On a 2 jours. Putain, on tape Marseille en Coupe de France. Oh putain. Oh non, deux fois on va avoir un choc olympique. On a 2 jours de repos en Guingamp. Bon, on fait jouer l'équipe A là, hein, clairement. Enfin, une équipe A remaniée, quoi. Bon. Non, l'équipe A peut tenir comme ça, c'est bon. Allez, c'est parti pour le dernier match de cette vidéo. Ah, on a un Gerland, c'est sympa. C'est sympa tout ça. Petit coca des familles. Ah, faut du bien de boire un coup. 1h43 de record, les gars, déjà. L'équipe de mutants, franchement, elle est belle, notre équipe. Hein. Franchement, elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule, notre équipe. Ça fait plaisir, Marseille, ils vont aligner qui? Allez, Gerland, bon j'aimerais bien vraiment. J'aimerais vraiment qu'il y ait le parc. Qu'il y ait le parc l'année prochaine. Omrani, Alessandrini.
Sarr. Rolando Alloué en défense. Et Pelé au cage. Putain. C'est vrai qu'on a piqué Nkoulou. Ils ont aligné Rolando Alloué. Ils nous prennent un peu pour des cons là. Oh là là. Oh, Rolando, je lui ai fait un crochet, il est parti. Alors cette magnifique machine très compliquée. Ça s'appelle la barre de fer. Bam! Et voilà, le Roy Fer à nouveau a percuté. Deux matchs, deux buts pour le Roy. Putain, mais il est tellement bon le Roy Fer. Oh! Ils ont fait jouer Diaby, c'est des fous. La passe décisive pour Alexandre Lacazette pour le Roy Fer. Bim! Va chercher mon gars. Oh putain, je me fais victime. Bon, mi-temps, 1-0, easy, au KLM. Comme il n'y a plus de mercato, j'espère que les records seront moins longs, hein, quand même. On est bien, on est bien, on est bien. Pour Sarr, Diaby, pour Fred. En fait, Fred, il est putain de chaud dans ce jeu, hein. Ce Fred-là que Marseille a recruté, ils ont casqué, mais il est chaud, hein. Je crois que j'avais déjà vu ses stats à Fred, mais ses stats, c'est des stats de porc, hein. Regarde, tu as l'appel qu'il fait, regarde. Tu vois déjà la course de Fred, elle est là dans l'axe, bim, frappe, Lulu, ouais, bravo. C'est quoi ça? C'est Diaby qui te met une frappe comme ça? Mais arrête un peu! À Lopez, il m'a fait deux parades, deux sorties dégueulasses. Mais regarde la frappe de Diaby! Oh, je vais me faire. Oh, franchement, les gars, j'ai eu peur. Hein. Ah, j'ai eu peur à un moment donné. J'ai dit, oh putain, lui il va me rattraper. Il va me prendre la balle avant que je frappe. Ah, j'ai eu un peu peur. J'ai eu des frissons. Jovetic qui arrive à passer. Là, franchement, à l'OE, j'ai cru qu'il allait me la reprendre. Hein. Mais on marque le 2 partout à la 80e minute. Non, mais putain, j'aurais dû tirer à gauche. J'aurais dû tirer à gauche. Ou j'aurais dû attendre un peu parce que Rolando il s'était foiré. Putain, j'avais le 3-2 au bout du pied là. Voilà. Comme en vrai, des matchs nuls. Comme en vrai les gars, comme en vrai. Comme en vrai, des matchs nuls. Marseille, c'est ça, hein. Voilà. Niveau statistique, je dois marquer un but de plus, mais je le marque pas parce que voilà. Parce que Pelé, il fait l'arrêt de trop. Il fait l'arrêt de trop et voilà, c'est comme ça. On finit sur un match nul, pitoyable, qu'on doit pas prendre. Bon. C'est comme ça. C'est le football, hein. Et derrière, Stade Rennais qui passe devant nous, ils prennent 2 points d'avance. Stade Rennais, quoi. Joueur suspendu. Quoi, Umtiti? Trop de cartons jaunes. Ah, il veut pas. Tu vois là. Je t'ai dit qu'il fallait qu'on voie pour le salaire. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui allait me faire une petite. Petit truc dans le cul là. Foup! Allez, bim! Allez! Un petit salaire qui augmente. Ah, mon pote, tu restes pour 2 ans là. Alors, putain, 220 000! Ah ouais, il rigole pas la casette, hein? Ah ouais! Bon, on va s'arrêter là, niveau classement, donc on est deuxième, 2 points d'avance sur Monaco, 2 points de retard sur le Stade Rennais. On est pourtant, on a la meilleure défense, puisque non, on prend pas le moins de buts, mais on perd le moins de matchs, on n'en gagne pas le plus, on marque le plus de buts par contre, mais on a quand même 2 points de retard sur le Stade Rennais. Paris qui sont remontés 4e, ils vont remonter. Paris, Marseille 13e, un peu comme en vrai. Saint-Étienne 9e, Nice 8e. Classement assez chaud. Toulouse 12e. Voilà. Classement assez bizarre. Dans le prochain épisode, on ira jouer face à Guingamp à Gerland. On jouera aussi face à l'OM à l'extérieur au Vélodrome. On enchaînera avec les Girondins de Bordeaux à l'extérieur et on finira. Face au Bayern Leverkusen à domicile pour les premières 8e de finale. Allez, alors que Chelsea se tape Dortmund, ça c'est beau. Voilà.
On a quand même un gros épisode la semaine prochaine. Hein. On retape Marseille. Deux matchs de championnat, il faut qu'on assure. On a le match de Ligue des Champions. On va avoir de moins en moins de repos. Putain, mais on va avoir deux épisodes de show Marseille. Après, on va se taper Paris, Leverkusen. Oh là là, la violence. La violence de ce jeu. La violence. Bon, on va finir avec un petit rapport d'équipe. Intérêt montré par le Milan. Ok. Il est vraiment en grande forme, Anthony, comme d'habitude. Gaïa, je sais pas si c'est encore les mêmes plus 1. Pas en forme. Bon, peut-être pas en forme parce qu'il s'est pris un rouge, si on veut. Ouais, il a que 76 de général, hein, Lucas Digne. Hein. Franchement, c'est pas énorme. Maxime Gonalon, 84, capitaine. Ensuite, ça monte un peu. Il a pris déjà un plus 1, Leroy Fer. Deux matchs, deux buts, une passe décisive alors qu'il vient juste d'arriver. C'est un peu. C'est pas mal quand même. Lacazette 87 plus 1. Il a pris un plus 1 cette saison. Si on pouvait le montrer à 88, ça serait juste énorme. Jovetic qui prend pas. Kovalenko qui a pris un plus 2. Martial un plus 1. Ezequiel. Morel qui perd un point mais il part à la fin de la saison. Il joue pas, c'est ça? Ouais, mon pote, tu pars à la fin de la saison. Je vais pas te faire jouer. Junior, vu qu'il perd des points, donc là je pense la saison prochaine, Junu, il va pas rester longtemps au club. Faudra, je pense, le remplacer. Prendre un bon passeur aussi en équipe B, parce que là, perdre des points maintenant, ça fait mal. Areola qui vient d'arriver et qui fait déjà deux invincibilités en 8 matchs, c'est pas mal. Licia qui perd des points, mais pas de général. Et après, c'est les petits joueurs qu'on voit pas trop, enfin qu'on voit en équipe B et les joueurs qui ne jouent pas. Voilà, plus 2 quand même cette saison, mais Ré, pas mal. Amarthy aussi un plus 2, Sanson qu'on voit pas trop, Nitzeroz et Raphaël qu'on voit plus beaucoup. Et ensuite, c'est les joueurs prêtés qui prennent, putain, Kemen plus 3, qui prennent pas mal de points. 72 de général, Maxwell Cornet. Je pense qu'on va les garder la saison prochaine par contre, parce que là, il commence vraiment à avoir des stats de porc. 72 de finition, il commence à avoir des belles stats pour une équipe B. Après Georges Olin, Kalulu, Ngomi, Apiti. Voilà! On a fini avec ce petit rapport d'équipe. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine, les gars. Portez-vous bien and peace out! Okay. It's nothing, nothing to get it poppin', wanna roll up.